C'est ici où j'ai grandi. Mon commerce se trouve juste derrière moi, là, en bas de cette tour. Mon activité est donc ce qu'on appelle entre guillemets donc une téléboutique ou un taxiphone. Les gens viennent, appellent donc le national et l'international, donc à un moindre coût. Ils peuvent donc maîtriser donc leur consommation et ça leur coûte beaucoup moins cher. Avant de monter cette activité-là, je faisais une formation, donc j'ai passé un bac pro électrotechnique. J'ai créé mon entreprise, la mienne, pour être indépendant. Étant jeune, personne n'a confiance en moi, ni les banques, ni les organismes, ni les associations. Donc c'est extrêmement difficile. Heureusement que mes parents et mes amis étaient là pour la création de cette entreprise. L'image des quartiers qu'on nous donne à nous me fait mal, très très mal. Il y en a pas mal qui méritent, donc il faudrait qu'ils arrêtent de nous cataloguer dans cette image négative. Je sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste en quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est peut-être minime, mais je pense avoir quand même un minimum de fierté à présenter ce que je fais aujourd'hui.